Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blood Bowl 2, où avec les Kipi qu'on se retrouve pour un petit match dans la Ligue de Krug. Alors, on a un journalier, ok très bien, vu qu'on avait moins de 11 joueurs, c'était notre partie précédente. Notre adversaire en a 2 de son côté, ce qui fait qu'il a 90 d'inducement. Donc on va affronter des Khemri, qui sont un petit peu fait massacrer. Alors c'est le match que je devais jouer contre une IA mais qui a été remplacé au pied levé par un joueur qui est rentré dans la compétition donc qui du coup a du retard en termes d'XP puisqu'il a pas fait tous les matchs. Et donc il prend une serveuse. Parfait. Eh bien on va voir comment on va pouvoir gérer ça. Donc c'est une grosse équipe, pas mal de force les Khemri, très peu d'agilité. Il va falloir qu'on essaie de jouer là-dessus. Si on peut mettre des tatanes sur les momies avec de la griffe, faudra y aller. S'il n'y a pas de griffes, ça sert pas à grand chose. Enfin, c'est pas des momies, c'est des gardiens des tombes, pardon. Et nous sommes donc à domicile dans la caisse. Parfait. Alors, on va bien sûr attaquer. Il me parle sur Discord en même temps. Il me demandait si j'avais fait des doubles pour avoir des blodgers, mais non, hein, les loups-garous ont agilité dans leurs branches. Donc pas besoin de double pour avoir esquive, heureusement, parce que bah du coup on n'a fait aucun double. Hein. Alors donc voilà, 4 gardiens des tombes à 5 de force sur la ligne. Donc ça va piquer un peu. Après l'avantage c'est qu'on peut assez facilement faire tomber celui-là avec deux, enfin avec deux dés, non, avec un dé. Ça va dépendre où il va se mettre. Ouais, il m'empêche de ramener du renfort avec des squelettes bien sûr. On va afficher les compétences. Donc il a une châtaigne sur un gardien des tombes mais c'est tout, ce qui est pas si mal. Les Blitzra avec bloc sont là, donc c'est ceux qui ont une espèce de lame devant. Et ça c'est ceux qui sont censés jouer la balle, hein. Donc des deux dagés pour jouer la balle bien sûr, c'est du Khemri. Ok, donc on va avoir un dé assez facilement sur les momies, deux ça va être compliqué. Pas qu'on blitz ceux-là éventuellement, mais il nous fait des bons pièges à frénésie. Alors, on a donc un revenant en moins puisque Bloody Marion était morte et que bah on n'a pas eu de quoi la récupérer. On va se mettre plutôt sur cette aile là pour tenter un petit blitz sur un squelette. Si on peut tomber un squelette, ce sera toujours bien tout sur ça de pris. Ici, on va pas bloquer avec lui. Donc on va garder un gars là. Donc là, l'idée ça va être de. Et ça va être quoi? L'idée, ça serait de taper un dé sur celui-là, de le dégager. Et du coup, on aurait potentiellement même pas de dé sur une des deux. Bon, on verra. On va mettre derrière Fred Sock. On va mettre un zombie par là en cas de blitz. Et un zombie derrière pour aider à sécuriser un petit peu la balle. Et on va dire que comme ça, c'est pas si mal. Alors, on peut bouger d'une case gratuitement. Alors, où est la balle? Putain, elle est bien derrière. Alors, du coup, est-ce que c'est intéressant de bouger par ici? Pas vraiment. Ici, éventuellement.
Mais là, bof. Là, on va se prendre des tatanes de toute façon. Est-ce qu'elle sort? Non, elle va sur la ligne de touche. Très beau lancer. Alors du coup, là, comme prévu, on a que un dé. On va donc commencer par le petit blitz à 2D. Hop là. Et ben voilà, ça commence bien. Ça fait plaisir. Le petit double crâne au premier jet, c'est cadeau. Et une petite sonnette. Alors, du coup, on va se replier un petit peu derrière. Hop. Ici, bah ouais, on va devoir taper un dé sans bloc. Hein. Et ben voilà, bon bah ça c'est fait. Le ton du match est donné. Même si j'avais eu bloc, c'était mort. Donc voilà, NFL l'a décidé, on va de nouveau en chier à ce match, visiblement. Donc là on va se prendre une rafale, hein, avec les 5 de force, ça va être la fête. Je pense qu'il va réserver la châtaigne peut-être pour un blitz sur le... sur le golem, on verra. Ah non, même pas. Du coup on a de la chance, on repousse, alors on va certainement pas utiliser stabilité, faut qu'on se barre de là. On peut taper sur mes zombies, oui, mais on va pas lui laisser des blocs gratuits sur mon golem. Hein. Ah, bah cela dit, il a pas l'air non plus trop chanceux. Ouais, si, ça va. Ah, la petite sonnette qui va bien. On en a une. Il en a une. Bien, bien, bien. Bon, il pourra pas choper la balle, il est beaucoup trop lent, mais ça nous fait quand même perdre un tour, ça fait toujours chier. En plus, du coup, on est carrément en sous-nombre devant, avec toute cette connerie. Ça a combien d'armure ça? Ça a 8 d'armure, hein. Il blitzera. Il a pas blitzé encore, il va probablement blitzer avec lui. Un chouïa malade, hein, donc je m'excuse s'il y a des voix un peu bizarres ou éventuellement un petit reniflement qui m'échappe de temps en temps. Ok, il blitz pas. Ah oui, il se réserve peut-être lui pour blitzer. Ouais. Ouais, il va sûrement blitzer avec lui. Sur mon golem. Sur le loup. Oui, effectivement, c'est encore plus intéressant. Ça ne passe pas, heureusement. Mais bon, le loup se retrouve quand même un peu dans le mal, hein. Surtout qu'on a aucune garde, donc... Alors, comment on va s'en tirer? Je pourrais tenter de blitzer là, ça sortirait déjà un truc. Ici j'ai combien? Je suis à 2 dés rouges, hein, forcément. J'ai aucun point de force en rab. Je pourrais en ramener un, mais ça me faut un GFI. Donc ici, à mon avis, l'esquive va être probablement plus adéquate. Si j'arrive à esquiver, je pourrais essayer de blitzer celui-là. Ça va être compliqué, en fait. Ouais, on est cerné de partout, quoi. Bon, je blitzerai pas avec lui de toute façon, donc on va le relever. Par ici. Donc là, on est dans la merde au centre, hein. On est complètement pris par tout le monde. On va aller marquer celui-là pour éviter qu'il puisse trop facilement se foncer vers la balle si jamais. Et on va être obligé de tenter une esquive avec lui qui passe. Et le bloc, premier bloc qui ne passe pas. Deuxième bloc qui passe, c'est cool. Mais ça ne donne rien. Du coup, on va essayer de s'éloigner un petit peu de ce con. Ça a combien de portée, ça? Ça a quand même 4 de mouvement, ces merdes. Hein, ouais, donc de toute façon, même si je faisais plein de GFI, je pourrais pas me mettre à l'abri, donc tant pis. On va tenter de ramasser la balle. Ah, putain, la
suis obligé de relancer si elle tombe dehors, ça peut être dramatique. Ok, bon bah c'est toujours ça de pris. Et on va commencer à avancer un petit peu. Ensuite, bah, on a que du dé rouge partout, hein. C'est complètement la merde. Ici, on va se prendre des tatanes, mais toutes les esquives sont beaucoup trop coûteuses, malheureusement. Ouais, ça va être compliqué, là. Hein. Ça va être très très compliqué. Ici, on pourrait prendre un dé. On va prendre un dé contre un... Bah voilà, c'était mauvais idée. Oh là là. Le seul bloc que je pouvais faire, quoi, sans déconner, un crâne et en plus une sonnette, non, mais c'est n'importe quoi. Bon. Ça se tentait, un petit indé, du coup on va se prendre un blitz gratuit sur le loup. Hein. Pas trop de débat. Je pense qu'il va blitzer là, essayer de me faire tomber, puis essayer d'aller coller avec, avec son blitz rat. Il me parlait. Fait chier, ça passe cette fois. Alors bien sûr, moi, ma griffe qui passe les armures, c'est pas possible. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Comme d'hab. Bon, puis voilà, il va pouvoir taper, hein. C'est gratuit, il aurait tort de s'en priver. Par là. Honnêtement, très honnêtement, j'ai déjà plus d'idées. Hein. Là, j'avais envie d'essayer ce match-là. Ah, un double crâne quand même. Ouais, non, voilà, ça passe. Je sais déjà plus quoi faire. Mes mecs sont complètement engagés. C'est très très compliqué. Là, c'est complètement libre. Le plus safe pour l'instant, c'est de me barrer par là, mais c'est totalement hasardeux, quoi. Puis mes mecs, ils vont juste servir à se prendre des tatanes, c'est ça le pire, quoi. Va falloir que je tente des esquives avec des zombies bientôt. Alors je peux tenter une esquive là et taper sur ce type. Là j'esquive, je tape à 2D sur lui. Si ça passe, lui est libre et peut se barrer. Ouais, il trouve qu'il fait lui aussi des mauvais jets, c'est vrai que je vais pas cracher dans la soupe, il a quand même fait pas mal de 1, mais bon. Ouais, non, va falloir tenter un truc comme ça. Ça me passe pas. Et cette fois ça passe, donc faut que le bloc passe. Ok, donc c'est un sonnet, c'est toujours ça de prix. On va se placer par là. Alors là, après la question,
Son truc, il a pas esquivé en force là, donc il a juste un squelette. Faudrait que je fasse 2 GFI si je voulais me foutre dans ses pattes. C'est quand même un peu tendu. Mais je peux aller jusque là. Qui c'est qu'il a de libre? On va se relever. Lui, il peut aller assez loin, mais c'est pas ouf non plus. Lui, il est bloqué. Il aura difficilement ouvrir un chemin. Là, il ne pourra pas enlever toutes les zones de tacle. Là, il va falloir qu'il tape s'il veut enlever les zones de tacle. Ouais, on n'est pas trop mal à se barrer par ici. On va se mettre à une case du zombie pour éviter qu'il ait un bloc gratuit. Et ici, on a un dé. Alors, est-ce que je le tente? Si je le tente, il a éventuellement un bloc avec GFI à prendre, donc on va éviter. Par contre, ce qui serait cool, c'est des esquives, mais là, il y a beaucoup trop de zones de tacle. Du coup, on va pas tenter. On va s'arrêter là-dessus, tant pis, on fait pas d'autres blocs. On se protège derrière le cadavre de Marcus l'Ancien. Alors, on me dira encore que je suis trop agressif, mais là, franchement, je voyais pas comment faire autrement. Très très honnêtement, pas de... Enfin, si je restais derrière, j'étais juste pas protégé. Si j'allais devant, je suis juste pas protégé, mais limite un peu plus, parce que ces mecs ont commencé à contourner. Donc... On n'a pas de blessure, c'est toujours ça de pris. Donc ça c'était prévisible. Ça c'est tout ce qu'il peut tenter de toute façon. Il a pas de relance, ça peut foirer. Oui, ça rate. Bien sûr on utilise esquive. Donc on va être reculé, hein, mais c'est pas trop trop grave, on va dire. C'est quelque chose qu'on va éventuellement pouvoir gérer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers l'arrière? Ouais, il peut peut-être tenter une récupération pas, je ne sais pas. Non, cherche pas, tu t'es enfermé au milieu, tu peux pas te barrer. Si moi je suis enfermé, toi aussi t'es enfermé. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout. Parfait, il tombe pas. Ah mais il le repousse par là. Très très intelligent. Parce que du coup il va m'empêcher de venir ramener du renfort. J'avais possibilité de taper lui à un dé et de... et d'amener le zombie en renfort, mais du coup je vais pas pouvoir. Ce qui veut dire qu'on va probablement devoir tenter un blitz à un dé sur lui. Avec bloc, ça peut valoir le coup, hein. Ça devrait passer. De toute façon, c'est soit j'esquive avec lui et non, de toute façon, je pourrais pas amener de renfort. Non, on va utiliser là. Je veux pas qu'il libère ses gardiens des tombes. C'est pas le thème. Ok, donc là on va se relever. Donc ici du coup on est à 2 dés rouges puisqu'on a plus de renfort. Ici on se relève. Ici on se relève.
Donc lui, il fera ce qu'il veut après, mais là, il va falloir qu'on fasse ça. Sinon quoi, là, une esquive à 4+. 4+, non, c'est beaucoup moins rentable, on peut pas le faire tomber. On peut pas faire tomber celui-là. Là, c'est pareil, là, c'est pire. Non, bah, on est obligé de faire ça, hein. On pourrait éventuellement prendre un bloc à 1 dé ici avant, mais ça serait uniquement jouer avec la chance. Donc non, va falloir qu'on y aille comme ça et qu'on compte sur la frénésie pour nous sortir. Bah ça aura été semi le cas, mais pas complètement. Donc là faut qu'on se tire. Là il peut encore me coller avec lui. Et avec lui, avec des GFI, donc le plus dangereux c'est lui. En même temps, j'ai aucune relance faire un GFI. Il est obligé de me blitzer à 1D avec du GFI. J'ai esquive, j'ai bloc. Sinon, c'est du 2+. Allez, on tente. Ouais, on va s'arrêter là. Bon, bah du coup, ce qu'on va quand même faire, c'est tenter un petit bloc à 1D ici. Et bah non. Avec bloc, hein, ça pouvait passer, hein. C'était histoire d'éviter de me retrouver trop en sous-nombre quand lui se relèverait. Mais bien évidemment, c'est pas possible. J'ai été trop présomptueux. Donc on va essayer d'ouvrir le score rapidement pour se replacer, essayer de se sortir de cette pu là, parce que c'est quand même bien bien merdique. On va marquer tôt, hein, mais je vois vraiment pas comment je peux faire autrement. Là, il est obligé de faire ça de toute façon. Donc il va être obligé de blitzer à 1D sans bloc. Moi quand je fais ça, je me prends des crânes. Va-t-il se prendre un crâne? Le suspense est à son comble. Attention. Le GFI passe et le bloc ne passe pas. Oui, bien sûr, on esquive, mais on va être obligé de soit réesquiver, soit rebloquer, malheureusement. Ça va. Parfait. Oh, mais non, pourquoi moi? L'autre, il a rien, j'imagine. L'autre, il a rien, bien sûr. Boum! Alors, bah, ça va jouer tout seul au fond du terrain. Hein. Moi, je peux pas amener de renfort. Il ne peut pas amener de renfort. Après, la question, c'est une esquive à 3+, une mise de paquet, ou alors un bloc. Je pense qu'une esquive avec relance auto, c'est plus safe. On n'a aucun bloc à faire, hein, donc on y va. Ça passe. C'était pas brillant, hein. Je vais pas dire le contraire. Donc du coup, on va foutre les gros tas de vent. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ce qui m'ennuie, c'est que tu n'as rien loupé avec ton loup level 3. Ah bah ouais, mais je suis désolé, mais je m'en plaindrai pas. On va resserrer un peu les rangs.
Ok, la châtaigne devant pour blesser un peu plus, les bloqueurs, logique. Donc faut qu'on défende et après faut qu'on défende. Si on a l'occasion de marquer, on essaiera de la prendre. Parce que quelques touchdowns de plus, ça ferait plaisir à l'XP et aux points dans la ligue. Allez, c'est parti, on va pouvoir voir des Khemri qui jouent la balle. Ah bah il a surprise aussi, parfait, comme j'ai eu moi. Comme ça au moins pas de jaloux. Ok, il veut mettre tout ce qu'il peut sur la tronche de... sur la tronche des zombies. Donc là on a trois zombies qui vont déguster ces verres. D'ailleurs j'aurais dû foutre le journalier devant, j'y ai pas pensé. Bon. C'est ma faute. Alors, visiblement il stat. Il peut protéger sa balle mais pas aller au contact avec. Ok, premier bloc qui passe. Hop là. On bloque pas tout de suite là, ouais, voilà. On t'aura 3D comme ça. Alors je pense qu'il va me garder au contact, non? Ah non, il me repousse. Très bien. Petit coup de pied dans la tronche. Et donc là ça tape. Et ça passe aussi. Bon. Ça se passe bien. Les armures ne pètent pas pour l'instant. Les zombies font le taf. Moi ouais, j'ai mis un 5 d'XP, j'aurais dû le remplacer par un journalier, j'étais un peu con. Mais bon. J'aurais peut-être dû faire une défense un petit peu plus en profondeur, faudrait que je la change à la mi-temps. Faut être un peu moins à portée de ces morts-vivants qui ont quand même une mobilité assez limitée. Alors, pour qui il réserve son blitz? T'auras pas 3D sur mon golem, ça c'est mort. C'est vrai que 4 gardiens des tombes, c'est quand même la violence. Hein. La vache. 4 x 5 de force. Une fois que t'es pris dedans, c'est difficile à gérer. T'as pas châtaigne, non? Non, non, c'est l'autre qui... c'est pas bon. Ok, ça passe. On va pousser par là, ouais. Attention. Il poursuit pas. Est-ce qu'il veut s'infiltrer un peu peut-être? Non, peut-être pas. Bon, visiblement il prépare une attaque par là, hein. C'est assez assez évident pour l'instant. Ça va être difficile une défense contre les Khemri honnêtement parce que nos loups on peut pas trop les exposer. Et arrêter ces gardiens des tombes, ça va être violent quand même. Je sais pas quoi faire avec lui.
Attention, ramassage, faut qu'il le rate. Ah bah non, il est ici. GG. Ok, à nous. Alors, on va relever lui. Alors, hop, là on se relève, là on se relève. Là, bah, du coup, on va se relever aussi. On est collé. Donc, ici, on a une zone de tacle. Ici, il faut qu'on ramène du monde pour défendre un peu. Lui, il peut aller jusqu'où ? Il peut aller juste là, donc il peut prendre un peu la place. Lui, va tomber quasiment à tous les coups. Lui aussi. Mais il pourra faire qu'un seul blitz. Est-ce qu'on a des blocs possibles? Là, on pourrait blitzer lui gratuitement. Ce serait peut-être plus intéressant de ramener. Je sais pas trop. J'ai pas de blitz fifou, hein, surtout avec la frénésie. Ça c'est que du rouge de toute façon. Ici on a que du rouge. Non, faut qu'on défende. Donc on va défendre. Lui il a combien? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est un peu juste. Reculé là. Donc je laisse exprès ouvert tout là, il peut y aller hein, parce qu'il est loin, mais il aura du mal à ramener du monde parce que ses mecs sont très lents. Bon, en tout cas les types de base quoi. On est obligé de faire une ligne de défense avec les loups. Je suis désolé pour les puristes, hein, nos loups ne sont pas protégés, mais. En même temps, voilà. Voilà l'armure du golem de chair qui pète, c'est un grand classique, même pas de châtaignier en face, pas besoin. Les golems de charge me demandent vraiment s'ils ont 9 d'armure. Je pense qu'il doit y avoir un bug dans le jeu. Ok, il se place au centre avec la balle, c'est pas déconnant. D'autant que là, celui-là va pas se relever tout de suite. Bataille squelette vs zombie. Ça me paraît inévitable. Sinon faut qu'il blitz un golem de chair, mais c'est pas hyper intéressant. Une fois de plus, je pense que j'ai un peu trop stacké mes zombies là, j'aurais dû mettre là celui-ci. Ah oui, c'est très très bon ça. La griffe. Ah non, pas la griffe. Malheureusement pas la griffe.
Ici, si je me relève, faut que je le libère. Non, ici, on va se relever. Ici, on aurait peut-être moyen d'avoir du coup un dé, mais bon, est-ce que c'est bien bien utile? Je ne sais pas. Ce serait peut-être plus intéressant d'aller par là avec un loup. Sur la balle. Est-ce que c'est bien intéressant? Est-ce que je peux faire un trou pour passer par derrière? En amenant du renfort. Alors je peux pas amener du renfort là parce qu'il y a le gros tas là. Je peux relever lui, taper un dé. Et après j'aurai peut-être la possibilité de blitzer la balle. On va faire un truc comme ça. Donc on va laisser lui derrière au cas où il y ait besoin. Et là on tente un bloc et un dé. Ah, ça repousse, c'est pas ouf. Malheureusement. Tant pis. On va laisser tomber le plan parce que je peux pas passer dans 4 zones d'attaque comme ça, c'est pas possible. Donc du coup, on va faire autrement. On va tenter ici. 1, ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais me mettre. Ouais, ça se tente. On va tenter ça. Ça pousse. Tombe. J'aurais dû pousser de l'autre côté, c'est pas grave. Et on va aller se mettre là. Ça, c'est pas si mal. Ici. Ouais. Le risque est relativement faible sur la droite. Il y a quand même lui là qui pourrait se relever blitzer. On va reculer une case. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment le centre. Hein. Je vais me mettre là pour renforcer le loup. Est-ce que s'il arrive à faire tomber là, ça peut assez vite partir en couille. Si un bloc et un dé, mais on a vu ce que ça donnait, on va pas le faire. On va s'arrêter là. C'est pas dingue, mais c'est déjà pas si mal. On va l'obliger à faire soit blitzer là pour libérer la balle, soit faire des esquives, des trucs un peu. On va devoir lancer des dés. Et s'il lance des dés, il peut se fail. Ah, il me pousse par là, tiens, j'aurais pris là pour avoir un extra bloc. Pourquoi pas. Aïe. Là, il va faire un trou. Enfin, un petit trou. Parce qu'il y a quand même lui qui est toujours là. Pour l'instant, en tout cas. Voilà, il est plus là. Oh, là, dis donc, l'armure du golem de chair qui résiste. Attention. Pourquoi blitzer ça? Quand même envisager de faire ça. Pour dégager une cage. Étrange. Ça a quand même si peu de mouvement cette saloperie. Hein. Bon, ils vont se relever au prochain tour, donc faut absolument qu'il dégage la balle de là, sinon on va être dans la merde. Enfin dans la merde, il va devoir recommencer quoi, il pourra plus passer. Il lui reste un tour, enfin deux tours, donc il faut qu'il mette quelqu'un en position de marquer maintenant. Probablement lui, le Srora là. Bah, ça a l'air compliqué. La première vue, ce que je ferais c'est que je mettrais le. Ouais voilà, le gardien des tombes là en renfort, je blitz avec lui là. Dégager le revenant et puis après infiltration quoi.
Ouais, ça passe, fait chier. Ah là là. Bon, ça va. Enfin, ça va. Une sonnette, mais ça va. Ah, ça va être compliqué, hein. Il a deux joueurs libres, donc il peut bloquer le chemin et emmener la balle loin. Ça me porte la poisse cette sonnette là, très très honnêtement. Tout va jouer sur où il met son porteur. Ok. Ah, ouais, ça se tente. Oui. Parfait. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On a la possibilité de blitz un dé par là, c'est pas ouf. On a aussi éventuellement une esquive à 4 plus à tenter pour avoir 2 dés, c'est pas ouf non plus. On a un possible blitz à 2 dés sur une momie. Tu veux dire qu'on blisserait pas la balle. Ouais. Ce serait quand même un petit peu... un petit peu abusé. Sinon on a ça. Un dé. Ouais, on va tenter un dé. Allez. Oui, ça passe. J'avoue que là, c'est quand même du cul. Donc du coup ensuite on vient là. Ok, c'est pas si mal. Alors il m'a dit quoi? Je renvoie le loup avec esquive en support pour le 2D. Ah ouais. Ouais, il y a quand même pas mal d'esquive à faire. Hein. Du coup, on va essayer de sauver notre copain là. Alors, il nous faudrait des zones de tac supplémentaires. On peut tenter un GFI là. Il n'y a que lui et lui qui sont en position de marquer. Donc, on essaie de les rendre inopérants. Est-ce qu'on grid là? Non. Ok, c'est pas si mal. Il va avoir du mal à récupérer la balle et à marquer là, je pense. Après, on a vu qu'il s'est quand même assez facilement infiltré, hein. Donc sur ouais, une petite stabilité.
Je veux pas qu'il me pousse sur la balle et qu'il la ramasse gratuitement. Elle est bien là où elle est, même si j'ai pas de zone d'attaque dessus, c'est pas grave. Elle est mieux par terre que dans ses mains, on va dire. Alors. Esquive, ouais, bah là, sinon il faudrait qu'il tape, mais il n'y a qu'un seul dé. Ça reste quand même plus rentable que une. Enfin, de toute façon, il devrait esquiver aussi, ouais, donc c'est pour. Ah, là, de toute façon, c'est sûr que je l'ai forcé à faire des trucs un peu su. Bon, il va devoir taper là, peut-être, ramasser, enfin esquiver, ramasser, faire une passe là avec zone de tacle, puis esquiver. Mais bon, on a vu des Khemri faire. Hein. Très honnêtement, j'ai même vu des Khemri faire bien pire que ça. Parfait, ça c'est cool. Pas jusqu'où, mais jusque là. Peut-être préférer là cette esquive là, s'il tape le loup, elle coûte le même prix. En fait, il faudrait qu'il l'amène en renfort sur le zombie, qu'il tape à 2 dés pour le dégager. Ensuite qu'il ramasse la balle. Qu'il tente un. Ouais. Ah mais il y a toujours la zone d'attaque du loup. Ouais, j'avoue. Donc il a éliminé une zone de tacle, mais comme il y a lui, de toute façon, il va même pas pouvoir passer comme ça et faire une transmission un peu moins chère. Il y a le cadavre du revenant qui le gêne. Donc il va tenter, la passe et tout. Ah bah non, voilà. Du coup la sonnette, heureusement il est pas blessé, ça aurait été triste quand même. Bon, on va boire un coup, hein? Donc du coup, on va reculer un chouïa à la défense. En fait, on va peut-être même se faire une défense un peu plus en... Un peu moins en rideau parce qu'au final on s'en tamponne un peu, donc on va foutre lui à la place du 5 d'XP. Voilà, on va faire un truc comme ça on est un peu blindé au centre et s'il veut se barrer sur les côtés, il aura du mal à revenir d'un côté ou de l'autre facilement. C'est une défense que je tente pas très souvent, ça. Il gagne une mi-temps, une relance, pardon. Ok. Le premier c'est bon. Mmh.
Ah, donc si t'as plu, il va devoir là, dégager un de mes zombies. Ah, non, ça va. Une sonnette. C'est juste avec la châtaigne là. Ok, il décide de m'enfermer gentiment. Pourquoi pas. Ramassage à 4+, pas ramassage à 4+, protection de la balle un peu avant. Là, pardon. Je me gourde de touche. Alors, ce blitz, pourquoi? Pourquoi ce blitz? Pour coller mon revenant, peut-être? Ouais, sans doute, ça va peut-être ça. Bien joué, il ramasse. Et il avance même un petit peu. Ok, très bien. Donc du coup, maintenant, on a personne de vraiment libre. On a 2 dés par contre sur lui, ce qui nous libérerait 2 joueurs. Avant ça, on va rapatrier, je pense, un loup ici. Dans l'optique d'avoir un blitz éventuellement, ou en tout cas de gérer la balle si jamais elle décide de venir vers là. Donc là, un 2D sur la momie, ça passe. On va taper sur notre cadavre. On va extraire ce zombie là. Et on va rester. Comme ça, on a un zombie de plus pour venir aider. Ce qui est toujours appréciable. Donc on a la possibilité du coup de taper là à 2 dés. Et puis peut-être de faire d'autres trucs un peu plus sympas après. On va faire ça. J'aurais peut-être pas dû le mettre là d'ailleurs lui. Tant pis. On va en profiter pour se dégager de l'autre con. Non, parce que du coup il y a une esquive, je me suis auto-bloqué. C'était très con de ma part. Ouais. J'ai poursuivi, c'était une très mauvaise idée. En plus du coup j'ai perdu un point de force là alors que j'aurais éventuellement pu faire des trucs. Pas fini. On a bloc. Et du coup, bah on peut pas trop aller coller son porteur, donc on va se recentrer tout simplement. Ensuite ici on a que 2 dés rouges, là on pourrait agresser, ce serait complètement con.
Non, ça me paraît bien comme ça. Toujours beaucoup de force et la possibilité de se déporter sur la droite, même si nous aussi. Dites cela, ouais, pourquoi pas, ce serait plus par vengeance qu'autre chose, mais ça apporterait pas grand chose. Ok, ça passe. Les armures tiennent toujours, ça fait plaise. Ah ouais, le collage là était totalement un fail. Très très clairement. Là, si jamais je l'avais pas couché au premier, que j'avais dû poursuivre avec la frénésie, je me suis retrouvé dans la merde. J'en ai tout à fait conscience. Ok, donc du coup il va par là. C'est pas trop gênant pour l'instant. Petite cage. Il arrive à le faire tomber. On reste là. Ok, alors, on se relève. On se relève. On se relève là. Ok. Ici, c'est beaucoup trop loin. Donc on va laisser tomber l'idée. Ce qui serait pas mal, c'est de faire tomber lui. Mais avant, on va essayer de se libérer un petit peu. L'agression, ce serait vraiment, vraiment pas... Ouais. Très très rentable. Est-ce que ça vaut le coup de blitzer lui? Je suis pas convaincu. Ça me paraît quand même plus utile. L'idéal ce sera d'aller blitzer celui-là, mais pareil, ça va être un dé et ça va être très très loin. La mise de paquet, il faudrait que je bouge celui-là avant. Bon, allez, c'est parti. Oh putain. Sans déconner quoi. Et ça marche même pas en plus. La tristesse. La tristesse absolue. Bon, du coup, on va peut-être bouger avant quand même. Ah, ce bloc, ce blitz là, il est vraiment dangereux. Donc on va se contenter de venir par ici. Avec lui, on va venir par là. Là on est pas on est un peu troué hein, très très clairement. Donc du coup on tente là, faut qu'on libère le loup, parfait ça passe. Allez, casse-toi squelette. Parfait, tranquille pour deux tours. Ici on revient en quatrième vitesse. Se poser pour pouvoir agir un peu où on pourra. Et ici on a un bloc à 2D à prendre sur ce truc, on va le faire. Ah bah on aurait pas dû. Oh là là. Heureusement. Ah bah attends, mais ils sont plantés. C'est pas moi qui étais blessé en fait, c'était l'autre.
Dis, je pense que tu te sers pas assez de tes zombies, ils sont là pour prendre des torgnoles et emmerder des gens. Bah ouais, c'est vrai. Apparemment, lui aussi, il a eu le message comme quoi c'était mon mec qui était blessé. Bon bah du coup à lui, voyons voir ce qu'il va faire. Alors déjà il bloque avec lui, ce qui veut dire qu'il ne tapera pas sur le golem. C'est pas très bien. Sauf s'il blitz, mais c'est pas très rentable a priori. Donc il veut faire un trou par là, ce qui est tout à fait intéressant, hein, vu que le mec est tombé là. On va faire une cache par ici. Parfait, il va rajouter une belle zone de tacle en plein là où il voulait aller. Ça c'est nickel. Va l'obliger à blitz du coup, ici voilà. Ouais, il faudrait que je me serve plus de mes zombies pour aller foutre des zones de tacle plutôt que les laisser derrière peut-être. Ouais. Tente la petite infiltration, risqué, hein, on a du monde pour venir quand même. Il stade ici ou là, hein, on voit bien. Si je quitte celui-là, je pousse ici, ouais. Ok. Agression à 10 plus, non, quand même pas. C'était quand même pas très rentable, surtout avec un Blitzra. Ok, alors c'est parti. On se relève et on se relève. Et ici, on se relève aussi. Alors. On a la possibilité d'aller blitzer lui. De repousser celui-là là, ce qui est plutôt intéressant. Donc il nous faudrait juste de la force en plus. Ah, fait chier, là, il nous faut un GFI pour rajouter de la force en plus. Ça c'est chiant, mais on va quand même le tenter. Ça passe de justesse, mais ça passe. On va quand même replier des gens, histoire d'être pas complètement dans le mal si jamais ça foire. Et on est parti.
Coucou. Ici on a qu'un dé, ici on a deux dés. Va continuer d'essayer de ramener du monde sur le porteur. Ouais, si je fais ça, on va être un petit peu dans le mal. Je vais plutôt venir là. Voilà. C'est mieux comme ça, je pense. Ici, on est toujours à 2 dés rouges, donc ça ne vaut pas le coup. Alors j'ai blitzé avec le loup dans l'espoir de passer l'armure, même s'il y avait éventuellement un problème avec la frénésie, j'aurais pu blitzer avec le revenant, c'était un peu plus safe. Mais bon bah, ça a marché quand même si ça a pas pété. Tant pis. Là il y a un gros tas. Hein. Qui tombe. Il extrait du coup deux zones de tacle aussi, un hein. Petit push qui va bien. Pardon. De mal à dégager lui. Ah bah quoique. Non non non, je reste là. Va devoir blitz du coup. Oh, quoique là il a peut-être. Non, il n'y a pas assez de force pour taper dessus. À 2D avec un autre que ceux qui sont là en tout cas. Ah, il veut tenter une esquive peut-être. Faire blitzer là. Ah, peut-être pour me coller là et essayer d'éliminer ces deux joueurs là pour le tour d'après. Oula. Un petit chaos. Ça commence. Enfin, ça commence tour 12, hein, je vais pas me plaindre. Ok, donc là, eh ben ça foire de nouveau. Du coup, je reste. Tu vas la faire ton esquive. Ah. On va quand même rester. Il décide de pas avancer avec la balle cette fois-ci. Ça se vaut, hein. Là, il a réussi à annuler le renfort là, donc j'aurai même pas un dé sur son truc. C'est bien triste. Alors, on a la possibilité de blitzer là un dé. Pourquoi pas? On va se débarrasser de ça de toute façon. C'est mort. Blitzer là, non. Là on est dans le rouge. Ici malheureusement on est bloqué, donc en gros il faut qu'on arrive ce bloc là. Qu'on fasse des esquives pour se replacer un peu. Ouais. On va tenter ce bloc. Hein. Ah bah du coup non. Du coup on pousse. Alors là faut que je réfléchisse. Si je le pousse par là-bas. Je vais me retrouver avec un moins. Ouais, faut que je le pousse par là-bas. Lui là. On le repousse encore. Tant
tant pis, j'aurais préféré qu'il tombe, mais c'était tout. Donc ce qui serait pas mal, c'est de réussir quand même à sortir eux de la tatane là, mais peut-être éventuellement aller amener un départ là par exemple. Voilà, comme ça ils sont pas si mal. On va laisser le revenant un peu dans les pattes là. Bah ouais, moi je vois pas ce que je pouvais faire d'autre, hein. Franchement. Mes zombies sont au contact et ils font leur taf. C'est-à-dire emmerder le monde. C'est sûr, la défense est un peu désorganisée, mais bon, elle tient quoi. Ah, cette fois ça tombe. Non. T'es obligé de la pousser. Ah, ça y est, on dirait que ces jets commencent à donner quelque chose. Donc là, j'imagine que ça va appeler un blitz du loup. Ah, ça va devenir compliqué là. Très très compliqué. Et voilà, blitz du loup. J'aurais peut-être dû dégager le revenant du. Tenter une esquive quand même. Ouais. Intéressant. Intéressant. Sûr, il va dégager lui. Ça peut être pas mal. Ah, petit double crâne. Petit push. Dégage-moi un golem. Oui, c'est pas mal ça. Enfin, c'est pas mal. C'est pas forcément très très utile, hein, parce que. Il y a quand même pas mal d'esquives, mais. On peut commencer à y envisager des trucs. Ouais, ici j'ai malheureusement que un dé, mais j'ai un dé avec lui qui a quand même lutte, ça peut être intéressant. Ah, il va me pousser où? Par là, ok. Il voulait essayer de gagner 2 dés sur le loup, je pense. Il va peut-être tenter un dé quand même. C'est un blitzra, il a bloc. Ça peut voir le coup parce que c'est quand même le loup le plus dangereux. Donc il tente pas. Alors ici. Donc ici on a un dé. Il y a très peu de chances qu'on arrive à en avoir plus que ça. Donc là on est bien coincé, malheureusement.
Non, mais va falloir taper sur lui. Pour l'esquive, il faut que je me casse par là. Il faut que je pousse ici. Hyper large, hein, j'ai envie de dire. Hop là. Et bah c'est fini. Donc il va y avoir petite égalisation. Et bon, je pense qu'il va pas stoller parce qu'il y a un peu de pression quand même. On aura peut-être 3 tours pour égaliser. On verra. Ah, je veux tenter le stall. C'est vrai que après, je peux pas trop sortir de là. Hein. C'est vrai que ces gamins des tombes devant là. Un deuxième KO, attention. En même temps, je suis sûr qu'ils reviennent pas. Hein. Enfin, quasiment sûr qu'ils reviennent pas. Si je peux le faire marquer au prochain tour, on aura quand même 2 tours. Ça veut dire qu'il faut que je lui mette la pression. C'est là, 2D, dégager ce loup là. Ouais. Puis montrer qu'on est dans la place, peut-être. Après là il se met sur mon chemin. S'il avance, ça peut être intéressant. Non, il stat, il avance. C'est ce qui va casse plus, hein, je pense qu'elle va passer parce que ça y est, ma chance a l'air d'avoir tourné. Ah, même pas. Ce qui relance. Ça relance. Et ça passe. Bien joué. Ah ouais, là ça va devenir compliqué par contre. Il ferme ici. Ah, ça c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Cela dit,
Ça servait à rien, mais je voulais en voir un en 3 matchs, pas une seule qui passe. Ok, alors du coup l'idée ce serait... Allez ici. Ici on se relève. Ici on se relève. Ici on vient là. Ici on blitz. Ici on se relève. Allez, une petite momie avec la griffe. Un KO. Ouais, bon bah c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Et lui, genre si on voulait l'amener là. Ouais, non, c'est un peu. C'est un peu abusé quand même. Allez hop. On va aller mettre la pression. Ah merde. On va relancer, puis on va mettre la pression. Et le zombie, ce serait bien qu'il aille foutre un peu la merde quelque part. Alors ici, il y a une esquive, non. Ici, ce serait pas mal par contre. Voilà, comme ça déjà lui est un peu bloqué. Il y a un blitzera. Bon, il va pouvoir me blitzer à 2D, hein, c'est pas trop la question, mais... Sur un malentendu, il stresse un peu, il marque. J'y crois pas trop, il est plutôt, plutôt stable, on va dire, comme adversaire. Il blitz pas. Tiens bon. Ah bah oui, t'as une esquive là. Une esquive en force ce truc? Il n'y a pas esquive en force ce truc. Pas du tout esquive en force. Bon, apparemment c'est un fail, il avait pas vu l'esquive. Il voulait avoir 3D sur le loup. Ah non, une blessure. Ah, puis une vraie blessure qui régénère pas en plus. Un point en armure. Oh putain. Bon bah, va falloir qu'on se débarrasse aussi de Stéphane le Terrifiant, je crois. Hein. Parce que cette d'armure. Compliqué, enfin on va peut-être pas s'en débarrasser tout de suite parce qu'on a personne d'autre, mais. Rah, on a failli arracher une victoire, c'est quand même triste quoi. Enfin bon, on va pas. Peut-être que sur un malentendu, hein. Un double crâne et tout, toujours possible. Peut-être que du coup il va marquer parce qu'il va pas vouloir prendre de risques. Et puis c'est avec lui. Non, il décide de marquer. Ok, alors. Donc, quoi qu'il arrive, on aura un joueur de moins, puisqu'on vient de se prendre une blessure. Au niveau des KO. Oh, les deux KO restent, bon, on s'y attendait. Le sien aussi, c'est cool. Donc, on va être en infériorité et il faut qu'on marque en deux tours. Très très bien. Ça me paraît tout à fait jouable. Hop là. Alors... Ouais, il va faire une défense très en profondeur pour pouvoir intercepter n'importe quoi qui passe. Et nous, bah, on va tenter un mur, probablement, une espèce d'infiltration mur à la con. Et il va mettre tout ce qu'il peut derrière, forcément.
pas mettre tes Srora à exploser comme ça quand même. Oh, voilà. On est d'accord. Pas mal, ouais, c'est pas mal pour éviter un touchdown en deux tours. C'est une défense intéressante. Toute la force qu'il y a devant en plus, il peut se permettre, il s'en fout. Ok. Je pense que là c'est pas assez bien, il va s'arrêter. Il laisse ses blitzers derrière, vous voyez, pour qu'il soit disponible pour blitzer justement. Il s'attend pas à encaisser des coups de vent, il veut juste qu'il soit disponible pour un blitz. Ah, il change un peu d'avis. Oh, c'est dommage, c'était plutôt bien vu comme placement, je trouve. Ah, il veut peut-être éviter que je... Ah, il veut éviter que par désespoir, je tabasse ses momies. Et en même temps que je tente un touchdown en deux tours. C'est vrai qu'il faut faire des concessions. Par contre, faut te décider à un moment. Je sais bien que c'est compliqué, mais... Ok, à nous. Alors nous, du coup. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, j'aurais sûrement dû stall un tour de plus. On n'a plus de revenants, donc comme ça c'est fait, on va mettre le porteur devant. Donc l'idée ça va être de ramasser avec lui. Toi tu sers à rien là mec. Allez, c'est parti. Une chandelle, c'est pas mal ça. Allez, rends-nous fiers, Dame Ned. C'est l'action décisive du match. Et là, je te félicite pas. Je te félicite pas, mec. T'as fait de la merde pour changer. Allez, ici, on va aller se poser par là. Donc on a un bloc et un dé là. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. On peut se déplacer comme ça. Se déplacer comme ça avec deux mises de paquets sans relance. Ouais, bof. On va se mettre là déjà. Ouais, bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ramasser de toute façon. S'il échoue, voilà, c'est fini. C'est fini. Voilà, l'idée c'était de ramasser, d'aller faire une transmission et puis d'essayer d'avancer lui pour être en position de marquer, mais... Je te laisse faire une passe pour le SPP ou fais-moi une passe à moi.
Je veux bien essayer de faire une passe, mais faut que je la ramasse d'abord. Ah! Ça, c'est pas de chance. Le dernier bloc de la mort. Quand tu crames ta dernière lance, lance 6 dés, t'arrives pas à faire tomber, quoi. C'est super triste. Ah la vache. Allez, la châtaigne. Le point de stabilité, ça coûte pas cher. Oh là là! La petite blessure. Ah bah oui, du coup, les blitz seraient à l'arrière, hein, vu que j'ai pas pu du tout avancer. Forcément, ça joue. Ah, c'est triste, on aurait peut-être pu mettre 2 dés sur un mec, là. Bah ouais, on va tenter de ramasser, faire une passe, quoi, histoire de faire un SPP, au moins. Dame Ned, si tu veux gagner ton SPP, tu ramasses. Surtout, te gêne pas. Ok, allez, c'est parti. Eh ben non, voilà. Comment tu veux marquer si tu ramasses pas la balle, quoi? C'est ouf. Bon bah, match nul, c'est toujours mieux qu'une défaite, hein, n'est-ce pas? Après tout, ah putain, un 2, on va peut-être même pas pouvoir racheter un foutu revenant, quoi. Oh, et l'autre il a pris le SPP, cet enfoiré de Marcus l'Ancien. Le. Même pas, le MVP. Ouais, bah je le nomme pas, on va l'acheter. Hein. Oh là là, jusqu'au bout le jeu il te fait chier quoi. Et lui par contre il a eu un niveau sur son gardien des tombes, c'est bien joué. Bon bah du coup je crois qu'on a aucun niveau, hein. Je peux voir les stats, franchement ça c'était une fois de plus un match de merde. Non c'est absolument pas sur ça que je voulais cliquer, je sais même pas qu'il y avait une boutique. Hop c'est là que je vais aller moi, je pense que j'ai aucun niveau, ouais aucun niveau. Donc du coup on va s'arrêter là, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, c'était un match encore pas très facile mais bon au moins on n'a pas perdu, toujours ça de prix. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez des commentaires sur les grosses erreurs que j'ai faites pendant ce match. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.